Yo les gars, comment ça va? Moi ça va bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour une nouvelle vidéo qui je pense va énormément vous plaire, tout simplement puisqu'aujourd'hui on va tout simplement faire péter une bombe nucléaire sur cette magnifique tout simplement étoile noire de Star Wars, la très connue étoile noire de Star Wars. Donc c'est vrai que ça va être vraiment stylé. Je vais enlever les nuages d'ailleurs. Donc voilà, tout simplement cette magnifique étoile noire qui est juste gigantissime. Donc voilà, on peut tout simplement en faire un peu le tour. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà, bon là à l'intérieur il y a quelques mobs. Ici on va faire un peu le tour de la bombe. De la bombe nucléaire, qu'est-ce que je raconte? Simplement l'étoile noire qui est juste vraiment stylée quoi, elle est vraiment pas mal là, l'étoile noire, vraiment on peut apprécier. C'est vraiment classe, elle est énorme tout simplement. Et du coup en fin de compte ça fait une sorte de mini planète. En fin de compte ça fait genre une sorte de planète un peu une grosse planète quoi. On va aller se poser tout en haut simplement pour que je vous explique un peu ce que l'on va faire. Alors j'ai tout simplement installé le mode mort TNT pour tout simplement avoir une nucléaire, voilà tout simplement. Et on va tester un peu tout simplement plusieurs TNT sur cette étoile noire. Donc en fait il y aura plusieurs fois tout simplement cette map là qu'on va exploser hein, clairement. Mais on va d'abord commencer en fin de compte avec des plus petites TNT pour ensuite arriver à la fin. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la nucléaire qui est tout simplement celle-ci. Donc la nuque, on verra c'est laquelle qui fera le plus de dégâts. Moi je pense qu'on va commencer tout simplement avec une TNT x20. Alors on va mettre dans l'ordre, regardez, on va mettre la nuke TNT à la fin, la supernova ici je pense que ce sera avant-dernier. Et ensuite on va essayer d'aller, voilà, C4, d'ailleurs on va faire la x5, la x20, la C4, et puis voilà, ensuite on aura la supernova et la nuke, ça fera déjà une belle petite vidéo avec des grosses explosions de ouf. Donc voilà, alors du coup, le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va tester simplement la TNT x5 et x20 sur la même étoile noire, parce que je pense que ça va pas faire grand chose clairement. On va pas avoir besoin de s'éloigner beaucoup. Ça va faire une petite explosion. C'est quand même une grosse étoile noire hein. On n'a pas besoin non plus de faire quelque chose de fou furieux. Donc là c'est parti. Explosion de la TNT x5. Ok, donc vous voyez comme ça l'a pas fait énormément de dégâts. Ça fait une petite explosion quand même sympa, mais une petite explosion. Ensuite on passe tout de suite à la x20. Ça fait pas trop de dégâts, on essaiera le C20, le C4 dessus aussi. Ah là, déjà on est sur une plus grosse explosion, mais bon, elle est pas encore très visible. On voit le petit impact simplement sur l'étoile noire, mais c'est pas encore ultra visible quoi. On a un petit impact sympa. Ou on refait une map. Non, on va remettre le C4, on va mettre le C4 au milieu, on va voir combien ça fait. On va le mettre d'ailleurs un petit peu décalé pour voir c'est plusieurs attaques quoi. On va voir si le C4, genre ça fait. Ah ok, le C4 en fait c'est de l'instant explosion et c'est une toute petite explosion. Heureusement qu'on n'a pas. On n'a pas fait tout simplement les grosses explosions. On va tester une autre petite. Du coup, voilà, j'avais pas testé les TNT. Et ben, simplement, on va voir s'il y en a qui sont assez vénères ou pas. On va tester la sphère TNT sur celle-ci. Attention. Wow! Ah ouais, ok, ça fait le trou d'une sphère. Ah, ça peut être grave stylé. Regardez, vous en mettez plusieurs. On a l'impression que l'étoile va se faire attaquer. Attention, gang. Non, merde. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck les gars? Bon attendez, on se retrouve sur une nouvelle map. Bon bah voilà, on a beau jouer avec n'importe quel jeu, c'est toujours Minecraft qui fait crash votre PC les gars. C'est vrai que je joue plus tellement à Minecraft, mais c'est toujours genre un délire de voir que genre à chaque fois, bah, ce qui fait crash votre Minecraft, c'est genre bah, en fait c'est Minecraft quoi. Là il a totalement crashé mon ordi, enfin ce qui fait crash mon PC. Donc là j'ai dû carrément, mon ordi a carrément explosé quoi, genre abusé. Donc je disais en fait ce qui fait crash à chaque fois un ordinateur, tu vois, j'ai beau jouer à n'importe quel jeu, ce qui aura toujours fait crash mon ordinateur c'est Minecraft. Genre vraiment là ça me l'a fait complètement bugger. Enfin en tout cas ça fait, avec le gestionnaire d'état j'ai pu fermer tout ça, mais bon c'était complètement bugué quoi. C'est abusé. Du coup on va reprendre les petites TNT qu'on était en train de tester. On était tout simplement en train de tester de la sphère, mais du coup on l'a fait, on va faire la derpy. Et ensuite on va passer tout simplement à la supernova, puis la nuke tout simplement. Alors du coup il va me falloir une petite redstone lamp et puis c'est parti. Alors du coup celle-ci, comment ça va fonctionner, on va voir. Attention. What the fuck bro, ça a explosé ici et pas du tout à l'endroit où c'était prévu. Bon c'est pas grave, on va tester simplement la supernova H-bombe. Donc voilà c'est parti. On la pose simplement, je pense que là ça va être assez vénère. Bon après c'est l'étoile noire quand même hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop. Wow. Ok, du calme. On est quand même sur une putain de grosse explosion de ouf.
Ah, c'est en train de se calmer. Non, ça ne se calme pas. Oh, là, on part sur quelque chose de très vénère et on n'est même pas sur la nuke. Alors là, par contre, l'étoile noire, elle prend cher. Hein. Elle a beau pas être combattue, elle a beau être combattue par une simple petite bombe créée par les humains. Là, l'étoile noire, elle a pris vraiment cher. Alors attention, ça bug encore un peu de l'explosion. Je pense que ça va se stabiliser. J'aurais peut-être dû me retourner tout simplement pour une explosion. Donc là, on voit clairement, on voit la puissance de la bombe H. Hein. En fait, elle fait le tour. Et vous voyez, en fait, c'est des tours d'explosion et ça continue de construire un énorme trou autour. Alors, je pense que ça va bugger. Je vais essayer de vous montrer le résultat à peu près final. Bah, clairement, c'est assez impressionnant. L'étoile noire a pris un sacré coup de bombe. Donc là, je pense qu'avec cette bombe-là, on peut clairement réduire l'étoile noire à cendre. Parce que là, dans cet état-là, je sais pas si elle va réussir à faire quoi que ce soit avec voilà, avec le monde dedans. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'étoile noire était carrément pleine. Hein. Il y a rien dedans. Voilà. Donc j'avais pris une map sur Internet. D'ailleurs, je vais demander à un pote à moi de faire une map planète Terre, et s'il y a 1000 pouces bleus sur cette vidéo, bah tout simplement j'essaierai tout simplement de faire cette vidéo sur la planète Terre, voilà, avec une bombe nucléaire sur la planète Terre pour voir les dégâts, on verra quel pays sont touchés et tout, ça pourrait être vraiment stylé. Ce qui fait que voilà, on est parti pour la bombe nucléaire. Donc là, je pense que ça va être vraiment trop vénère. Elle est où? Elle est là, la nuke. C'est parti pour la nuke. Alors là, ça risque d'être assez énervé. Bon, là, là, je pense qu'on peut s'éloigner. Wouah, what the fuck, attention. What the fuck, regardez les explosions que ça fait. C'est tellement chelou. What, les gars, c'est trop bizarre. En tout cas, ça bug un peu moins. Si ça bug un peu quand même. Ok, what the fuck les gars, regardez les explosions de trop chelou que ça fait. Oh là, ça va être en train de nous projeter. En fait, ça fait des explosions limite carrées, c'est trop bizarre. Oh, c'est grave classe hein. Là par contre, je vais laisser genre se faire toute l'animation vraiment jusqu'au bout. Genre vraiment toutes les explosions pour voir. Wow, regardez comme c'est en train de creuser à l'intérieur de l'étoile noire. Wow, c'est beaucoup trop vénère les gars, la bombe H. Elle a fini? Non, non, ça continue. Ça me rassure. On va baisser un peu, on va se mettre à ce niveau là, on va reculer un peu. Ok, donc ça c'est what the fuck, regardez ça creuse des tunnels à moitié. Oh, c'est quoi cette bombe, elle ravage tout, je crois qu'elle est en train de vraiment tout ravager l'étoile noire. Ça va être vraiment très vénère quand ça aura fini d'exploser. Voilà, pareil que la bombe H, ça a bugué aussi. Bon du coup on a quand même une petite image, en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est creusé tout à l'intérieur. Alors que parfois quand on a des petits bugs de check, si je fais charger un peu la map, en fait c'est creusé tout à l'intérieur. Il faudrait vraiment que j'ai un PC un peu plus puissant encore, c'est là que je vois les limites de mon PC. Mais genre ouais, c'est abusé, genre c'est vraiment ultra puissant. Voilà, ça a carrément démonté. C'est plus puissant que la bombe H clairement. Parce qu'en fait ça creuse des trucs au centre, tu vois. Et du coup c'est vraiment puissant. Bref, du coup, sur cette petite truc qui tourne là, voilà, ça bug un peu. Je vais vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je recommence cette fois-ci avec la Terre, peut-être une bombe un peu moins puissante, mais tout aussi stylée. On fera essayer d'exploser la Terre. Si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à mettre 1000 pouces bleus, puis à vous abonner à ma chaîne, tout ça. Et puis voilà. Allez, bye tout le monde, les potos.